bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable boter baou yon nouvelle émission. Presque c'est une édition spéciale, non t'as envie faire concernant ce qui a passé dans la Tibonite. Mais étant donné qu'il y a l'autre dossier qui a saccagé la République, n'a pas parlé de l'autre dossier autour. Mais écoutez, bagaille grave. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, ou abjouen yon série d'informations, eh bien, qui dit que bagaille vraiment grave au niveau du département de l'Artibonite. Non songez, dans le titre pointé mette, pour lui que son nom dit que, regardez comment, monsieur bluffé moun, eh bien, nous, ouais, monsieur, bah, bluff la vraie. Et nous commencé la vidéo ça avec yon petit voice. Voice ça, on prend le temps de là, mes amis, il est vraiment triste. Et si on en place moun ça, et c'est ceinture cap coupé, c'est rien cap coupé. Les par exemple, bandi poté bourré, y a touye moun, et ou même qui en dans la caille, autant de petits tout, cap crier dehors au secours, ou pas ka vini pour poté le secours. On entend des voix ça. Ça c'est au moment qui était des petites li cap Jemi cap très passé en babal gang sans foi ni loi non ça vient qui pote bourré bien bonnet 3 octobre 2024 là au niveau de Ponsondé. Y a une attaque qui fait dans 2h pral 3h du matin comme ça. Donc t'es capable de dire c'est une scène d'horreur parce que j'en m'étais dit non à chaque minute, c'est des photos qui a vu chez nous qui montraient que mais combien de monde qui mourent. Pour l'instant, nous t'es capable de dire qu'il y a une vingtaine de morts. Et c'est un bilan approximatif. Y a une vingtaine de morts. Kounya là, première bagaille nous pral dit vite. Est-ce que et moun sa yo ki mouri là, c'est de moun ki genye zam nan men yo ou bien c'est des policiers qui te campé à bataille ensemble avec bandi sa vient yo? Ça vle di ki ça? Ça vle di à chaque fois bandi yo pote bourre dans zone, même là yo gen problème ak moun ki nan zone nan ki érige tête yo en autodéfense, eh bien c'est pas jam moun sa yo ki victime. C'est pas jamais la police qui est victime vraie. C'est moun qui habite dans la zone qui est principale victime. Et au fond, ça qui parle plus triste, c'est que gagné voix commissaire gouvernement qui dit que à plusieurs reprises, il a demandé autorité dans l'État, dans le gouvernement, pour capable faire un poté bourré dans le bloc là, parce que pour son dette en danger, eh bien, cri d'alarme si là. Yo pas de jambes prend li en compte. Li t'a parlé comme ça. Guerrier, c'est ça qui est là, c'est son bagage qui est préjudice. Et m'gadou, c'est un peu. On a plus le temps de venir pour ça. Mais moi-même, ma prenne responsabilité à responsable dans la police au plus haut niveau. Parce que la plus bonne classe, c'est le département qui est plus étendu qui gagne dans le pays. C'est un département qui est un département en termes de population. Et suivant tout donné, c'est le deuxième département qui vient croire dans la vraie. Malgré toutes les démarches qui sont faites, autorité dans le niveau de la police, à tout haut niveau, ça fait un lien pour voler au secours de la population. Moi-même, particulièrement, comme commissaire du gouvernement, moi, je ne peux pas compter combien de fois je suis venu exposer la police pour m'exposer la situation. Semaine, moi, je passe 3 jours à traîner dans la cour de la police pour me rencontrer des gens. Moi, pas jamais me rencontrer. Moi, rencontrer des CPR à mardi en termes de réaction humiliée dans la cour de la direction générale. Tout peut-être que je n'ai pas de rendez-vous là-même.
ça ouais là c'est un yam attaque pour son des subi je dis à mon pas qu'à l'exister et puis ça qui est arrivé si vous mourrez c'est ma envahie moi même qui la particulièrement c'est mon ma beauté mon père mon blessé l'hôpital dépassé par les événements et par contre qui sait comment nous allons faire pour monter parce que c'était seul de vous tout est empêché que bandit on prenne mal. Puis toujours dans le visage, on a toujours dit que c'est ma vie de l'entrée. Quand il y a une responsabilité à ma main, je vais changer la loi pour nous. Pour nous connaître qui ça a fait. Nous ne pouvons pas dire aucun grand monde, aucun grand monde, non mais il s'est arrivé. C'est nous qui pouvons en secours, nous on est chaque fois attaqué au niveau. Pour l'instant, le monde est en profondeur là. Mais malgré tout, c'est échange de balles qu'on fait là actuellement. Nous ne pouvons pas travailler quand il y a un monde qui mourit. Nous pouvons connaître qui est le monde qui est blessé, sauf que nous dépassons par les événements. C'est rentré, c'est marqué, c'est pour tout département. Et nous avons besoin de vivre pour faire des gens. Pour ça, ça pas arrivé. Et nous toujours pris responsabilité, nous partager l'information avec les dirigeants. Et moi-même, nous avons une mission pour nous avoir la direction de la compagnie pour aller pour des situations. En 12 de réaction, c'est 1 000 000 de monde. Dernier an, nous avons pris 20 ans, nous avons fait 8 jours. Je vais jamais parler rien pour le vin dans la main, c'est pas nous pouvons pas vivre de moi. Bon, mais c'est que la police, que bien sûr, j'ai la première responsabilité pour renforcer tout ce qui est là, bon, nous devons pour que nous devons nous attaquer, parce que c'est ma envahie déjà. C'est ma paix, c'est parce que c'est pour eux. Quand nous comptons, vous mettez nous en train encore. La consommation de la vie, la famille, en ligne d'après encore que, bon, nous devons envahir ces marques et nous devons nous perdre du temps pour l'année. Cette scène d'horreur que nous avons gardée sous téléphone nous, via divers messages qui arrivent jeune nous-mêmes, eh bien, nous décrivons comme une triste réalité que les Haïtiens vivent que les pas de jambes qu'on est. Je ne dis à la, c'est le département de l'Artibonite. C'est mon ponsonde. Et l'autre jour qui vient, qui est-ce qui va le frapper? Qui est-ce qui va le difficulté? Dites tout ça, non? Imaginez ou yon groupe de bandits, yon pote boue non zone, yon fait massacre. Sou gen chance pour aller dans l'hôpital Saint-Nicolas, eh bien, ou apwe en pile moun ki prend balle. C'est comme si moun sa yo ki victime, eh bien, c'est ta sniper oui ki tire yo. Parce que j'en m'ap gade pou moi, gen moun se balle tête, gen moun se pied yo ki coupé, eh bien. Nèg grand griffio montre que yo puissant. Mais qui t'aime dit nous, chef de la police? Qui t'aime dit nous, Gary Koni? Et moun ki nan CSPN? Son défi, oui, bandi yo banon la. Donc je ne j'en dis à la, même les bandits sa yo ta marre nan piye tab international, fok gon action ki pose ki pou di bandi yo ben écoutez, nou pese trop sou accélérateur la. Sa k te rive Odma. L'état supposé arriver groupe gang si là qui dans département ou même dit groupe gang c'est pas Luxon seulement non c'est toute l'autre nèg qui avec lui parce que à la mort d'Odma Lucien on t'a fait plusieurs émissions pour me dire nous autorité yo c'est pas seulement chef de gang nan qui problème non mais c'est toute base là et base là t'es paraît vulnérable les Odma t'es mouri qui ça nous t'es fait pas grand rien qui t'es fait comme suivi pour être capable d'empêcher nos vins gagner criminels sa yo kap touye en plein jour, journée jodi a. Si Odma te mouri, et puis la police te gonfle venni, pour dire que si reste là, c'est soit li remettre zam ou bien li mouri, journée jodi a la, patap ge tout sa yo au niveau du département de l'Artibonite. Mwen kontande an pil moun nan l'Artibonite kap pale, qui dit que c'est parce que gagner de gros potenta qui yo même. Et ma ressource avec gang. Bon, ok. Mais écoutez, je ne jodi à la, qui ton neg? Ou c'est gros potent dans la Tibonite? Qui ton neg? Ou gen oreille gang yo? Eh bien, fok gon l'autre bagay qui fait. Faut dit tout, écoutez. Et pour ça, gang yo fait là, moi divorce avec yo. Ah ben oui. Et neg qui dans l'état, je ne jodi à, faut dit non tout, en non suspend prendre des fins dans mes gang. Parce que ça, c'est un défi. C'est horrible, ça. Nous sommes capables de dire que c'est le dernier goutte d'eau qui doit renverser vase là.
C'est non horrible ça. L'État doit susciter une opération sans camper au niveau du département de l'Artibonite. Pour qui ça même autorité dans le département si là, qui ont même appuyé sous sonnette d'alarme, non, elles n'ont pas été entendues. Pour qui ça n'a pas attendu yo? Parce que si vous attendez yo quand même, t'as gagné quelques opérations qui fait là pour capable empêcher nèg yo avancer. Mais ça cap passé. Mais li kounya ou konn sak bel, tout moun sa yo ki victime, ça fait ki gade yo. Yo mouri net. Tout moun sa yo ki blessé, y a prend soin pour wè si yo ta vive. Après ça pa gen aucun accompagnement. Parce que c'est bandi qui touye yo. Les bandits tout yé dans pays ça, li pa gen moun il pral parler, il pral répondre question. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire nèg yo gen pouvoir pour yo touyer, pour yo craser, pour yo briser parce que pays a son savane. C'est comme si pays ça pa gen moun k'ap diriger, comme si monsieur. C'est tant pour un nèg ap tann, par exemple, bagay ça m'ap gade là, li rive sou ou? Est-ce que nous comprenons? Et li pap jam rive sou nèg sa yo ki nan sommet l'état parce que yo même pa oublier yo gen manette la nan men yo, c'est yo même kap gérer et c'est yo même qui chef yo chargé avec sécurité. Bah ouais, ça pour me dire encore parce que et moi seulement attendre que la police CSPN nan li réunir en urgence pour capable prendre une décision concernant la Tibonite. Nèg yo pesé trop sur accélérateur là. Audemars t'es pesé sur accélérateur là, il t'est arrivé en côté et nèg yo dit camper là. Mais je ne j'ai dit à là, moment pour arriver pour dire Luxon dédé, l'autre malfrayo camper là. Nous pas comprendre pour nous dire ça. Moment pour arriver pour nous dire nèg kokorat sans ratio halte là. Donc n'a quitté yo touyé, écrasé, brisé. Qui ça nous gagne dans tête nous-mêmes? Qui ça nous voulait faire avec pays ça? Nda mais qu'on est bon. OK, pour m'en dire eux même. Qui ça vous voulait faire? Craser pays ya et puis nous même seulement qui était? Si nous craser pays ya nous même seulement qui était. Avantage pour Trinité maléfique là, la pnik vini le craser nous et puis il prend pays. Et puis affaire haïtien ça pas jamais exister encore. Parce que c'est ça nous besoin faire. Nous pas jamais prendre conscience. C'est ça que fait me dit nous à plusieurs reprises gèlè en pile dans nos pas à l'école. Parce que si nous te prenons conscience pour nous, ça qui a passé là, communauté internationale la croise bral, la bat bravo, les gangs entrent en côté le tout en vingtaine de monde, gade yon content. Mais pour qui ça joue jodi à là, nous pas kawen neg sa vient à pantrer dans posonde pour al rassurer pito population. Pour qui ça zam ki nan menou al pas ka utile population, c'est détruit, la détruit, chaque jour bon Dieu mette. Et puis kounya neg ap kampe, neg ap dim yap pale pays, yap défend pays. Non, unification gang yo. Li semble pas pour bonheur pays. Bah oui. Parce que nèg yo entend yo c'est vrai parce que m'a gardé pour moi. Chris l'a entend ni avec Tilapli. Depuis les ça pas gain bataille. Ça prouvait tout simplement que gain divergence. De l'autre côté nèg yo entend yo là mais toujours gain animosité. Mais je ne jodi à la pour qui ça département la Tibonite pas ka fond seul. Pour qui ça gang yo pas ouais travail y a fait là, c'est travail Trinité maléfique là. Non reporter yo mouvement. Pas deux monde qui l'hôpital Saint-Nicolas là, c'est pas deux monde qui mouri. Et en dans pour 7 là en urgence là. En dans pour 7, mes amis, nek sa vie au tué monde. Tout le monde mouri. Famille ka brûlé. Y a monde qui en dans tout. Et ils ont ça chargé monde. L'élément ça monsieur c'est nek qui de là le couvre tout le monde là. L'hôpital a coupé 5 à mon gué, mon l'ingénieur, mon gué, mon bloc opératoire, pour que tout mourit tout. D'accord? Il y a ma vie événement là et puis tout partage là avec vous. Pour nous aller à bas l'état,
démagogue, elle va ça va se faire, on va essayer de faire la ville Saint-Marc. Est-ce que ça crée aujourd'hui un poisson de 1, mais mettez un pile de la caille ou même la ville Saint-Marc? Oui, nous même qui ne sommes pas de poisson de la ville Saint-Marc, parce que nous avons fait ça, nous avons fait ça, je me jodi. Pas de autorité dans la ville là. Parce que si c'est autorité dans la ville là, ça va passer, va passer là. Dernière image qui arrive jeune moi là, c'est plusieurs centaines de familles qui ont même échappé avec violence gang griffe dans Ponsondé, qui trouvaient actuellement sous place publique Philippe Guerrier dans Saint-Marc. En bas, j'ai autorité locale à gouvernement, dirigé par Gary Kony ainsi que conseil présidentiel transition. Bandi ça vient yo continuer touiller et instaurer un climat violence. Terreur sans précédent dans vallée la Tibonite. Oui. Mounio Kouri, c'est des centaines de familles qui ont même chappé en bas violence là. Mais Gemoun, jusqu'à présent, yon pas tant de brio. Mais Gary Kony, vous êtes le premier ministre. C'est vous qui nous dirigez. Et côté même conseil présidentiel, c'est nous-mêmes qui dirigez. C'est nous-mêmes qui avons manette là dans le menon. Côté chef de la police, c'est nous qui l'a. Image sa yo, pas arrivé jouen nous. Son sa yo. Moun sa yo kap kriye. An imagine PM Gary Kony. Ou ta gen madame ou ak piti tout. Et puis l'on gade ou e bandi envahi. Et puis piti tout nan la rue pour un bal. Ou même moun dan ka la piti tout ap jemi l'ap di secou papa m'ap mouri. Yo touyem, yo fizyem. Ki so ap di ou pa fanye? Joune jodi a se ou premier ministre. M'pa konnen par le fait que t'es levé dans l'international là, peut-être que problème ça yo pas arrivé sur vous, mais yo arrivé sur nous parce que c'est nous même qui vivons dans pays là. C'est ça que fait à plusieurs reprises. Nous qu'on demande gang yo pour font l'autre bagaille, tant pris font l'autre bagaille. Non pas qu'à chita chaque jour porter bourré, al touyer ti maléré. Hey, qui ça nous voulait faire avec pays ça? Bagaille yo pas qu'à continuer comme ça mes amis. Hein? En pile monde international là prélim pour dire pas tant de famille yo. Parce que en bas gagné communauté diaspora tout qui a soutenu moun sa yo. Mais écoutez, c'est grave. Moi me pense, semaine ça c'est dernière semaine pour que la police avec l'autre et pa itil ki la yo et ne Kenya yo pour au moins montrer que c'est nous qui force et pour montrer au moins que bandi yo eh bien n'a pas possible jusqu'au dernier retranchement. C'est ça pour nous faire. Pour qui ça la police n'a pas mobilisé toutes ressources pour dire la Tibonite, mais oui, la Tibonite, mais gang ça vient, mais hélas, et son feuilleton qui a joué, nous fait carré la donne. Et ça, c'est un épisode, et c'est pas le dernier en tout cas. On a le passé dans ça qui gagne avec dossier corruption dans le pays d'Haïti. Qui a venu Smith Augustin? Emmanuel Vertiller, lui, Gérald Gilles. Qui a venu, Mounsayo, hein? Eh bien, qui t'aime, dis-nous, ça fait corruption BNCA, li pèse fort. ULCC sorti un rapport, li mandé pour capable mettre action publique en mouvement contre conseiller présidentiel Sayo. Unité qui a bataille contre corruption mandé pour action publique capable mettre en mouvement contre conseiller présidentiel lui Gérald Agile, Emmanuel Vertiller, ensemble avec Smith Augustin, qui est impliqué dans le scandale corruption Banque Nationale de Crédit BNC. Avant de arriver plus loin, qui t'aime dit nous, maintenant qui ça on pays tombé? De nèg qui placé dans pire au sommet l'État, qui t'a doué à veiller à ce que tout bagay a passé bien dans l'État pour veiller pour pas gain corruption. C'est yo même dossier corruption tombé sous do yo. Et je ne jodi a la, nèg sa yo, eh bien, yo possible pour ta capable à répondre question la justice. Mais qui ça qui Haïti je ne jodi a? Dans le cadre d'une conférence pour la presse qui présentait mercredi 2 octobre 2024, ULCC, qui lui-même enquêté sur affaire si là, mandé pour action publique mettait en mouvement contre conseiller présidentiel Sayo pour abus de fonction, versement pour devin à corruption passive. ULCC mandé et li basé sous prescrit article 5.5, 5.6 à 11 loi 12 mars 2014 là qui portait prévention à répression corruption dans le pays d'Haïti. Ancien président conseil d'administration banque
National Crédit, Raoul Pierre lui, qui lui-même t'a dénoncé conseiller président Sayo, pas chapé tout avec sévérité enquêteur ULCC yo, qui coincé lui pour entrave avec fonctionnement la justice dans question abus de fonction, versement pour de vin, corruption active. ULCC souhaitait extradition ancien président conseil administration BNCA. Voyez monsieur Pierre-Louis Pabo ici. C'est ça il dit. Et Emmanuel Vertil, Smith Augustin, Louis Gérald Dagil. Qui ça va passer pour nexa yo, nous pas connaît. Après rapport a fin sorti, c'est pour le jeune commissaire gouvernement. Maintenant qui ça ouais, nèg qui placé dans pire au sommet l'état, maintenant qui ça est tombé. On a regardé non. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spéciale finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les trois membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. L'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord un. La mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction. Versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonic Léon pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Ce mercredi 25 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État assurent les attributions présidentielles sont impliquées dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont
toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'USCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant trois membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. L'USCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir important issu des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'USCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurer et rester un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas pire ni en les têtes la loi. L'USCC a continué sans arrêter, avec même énergie, à traquer tout corrompu à tout corrompteur. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'USCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. En conclusion, même si nèg sa était capable chapper en bas mais la justice, même penser que même pour faire pays à grâce, eh bien yo pas ta doué rete dans conseil là. Et communauté internationale a insisté pour que monsieur Sayo capable dehors. Mais immédiatement yo dehors pour yo pas ta remplacer yo tout pour conseil arrêter à 4. Bon, en tout cas, n'a suivre comment ça a évolué. Reste feuilleton ça. Il a annoncé en pile couleur à travers de nouvelles épisodes. Nous parlons de là Reynald Lubéris qui lui-même relevé 8 failles dans rapport ULCC t'a mené sous suspicion corruption qui impliquait trois conseillers. On a l'écouté.
Alors, en réalité, non, j'en déçu moi-même personnellement, parce que ULCC, son institution qui est dirigée par un jeune garçon, que moi-même personnellement, j'ai écrit arrêté de nomination et que j'ai toujours découvert le travail, parce que je pensais que l'institution, ça, son institution que la population a besoin, que Haïti a besoin pour nous capables. Et assainir l'espace public là en Haïti, l'espace politique là, notamment. Et il y a un pile de travail qui fait côté que ULCC paraît dans une population, une institution qui est crédible. Et mais qui fait que on paquet de monde chaque problème qui gagne on dit que ah non on va le chercher ULCC, c'est-à-dire en fait bon on sort de confiance sociale dans ULCC. Et donc au nom de confiance sociale ça un paquet de monde qui t'attend et vérité blaï par rapport avec travail ULCC était supposé faire autour de allégation de corruption entre et de et que trois conseillers présidentiels t'as censé formuler dont et représentant Red là Smith Augustin. Malheureusement le nous lit rapport ULCCA, nous déçus en pile parce que le rapport ça pas permettre que nous jouons une vérité que nous obtenons ou bien pour nous jouons des indices réels qui pourraient permettre que bonne décision et qui prend. Et nous constatons que le rapport ça a gagné 8 failles majeures et qui fait que le rapport a vu ne paraît pas crédible. Avant de parler de faillite, on va parler de circonstances publication rapport là. Hier, le conseil présidentiel là était supposé recevoir et ministre des Affaires étrangères là pour déposer la question sur sa fait maintenant et 79e pardon assemblée générale des Nations Unies. Et le ministre n'est pas venu. Et conseil présidentiel là t'est préparé pour réunir pour bah une réponse à ça. Comme par hasard tout de suite et ULCC sorti rapport l'IA et donc et son événement chasson l'autre événement donc on ne parle plus de ça, on va parler du rapport. Bien joué l'artiste. Maintenant autour du rapport même les mêmes gagne 8 failles majeures qui fait que rapport est pas campé soin. Premièrement, matin, je suis en train de Johnny Felton dans une analyse. Il y a une cohérence dans la chronologie de l'événement. Par exemple, il dit que le 15 mai, Smith Augustin a bénéficié d'un cadre de crédit. Et tandis que le 25 mai, il fait une réunion pour qu'il joue un cadre de crédit. Ça. Donc, on est perdu. Et en plus, Pita, il fait des réunions et on a dîné toujours pour le capable de joindre une compensation et sous forme de carte de crédit, un carte de crédit qu'il gagne déjà. Ça n'a pas fait sens pour nous du tout. Donc, pas de lien direct entre carte de crédit que vous dites, les joignants, et puis en différentes réunions que vous dites, nous, que vous faites. Nous constatons que ULCC prend liberté pour les capables de manipuler taux de change là, pour le capable de faire et montant qui figure sur 4 là, 1,8 million de gouttes là, pour le capable de transformer en 20 000 dollars, donc il va avoir un taux de change de 90 gouttes pour un dollar. Renard Leberus là, il dit que c'est ULCC, c'est BNC qui décide bail tout ça. C'est pas eux-mêmes. C'est un taux préférentiel, c'est BNC qui baille, donc c'est pas eux-mêmes. C'est pas eux qui décident de mettre taux. Oui, d'accord. C'est ça nous voyons dans le rapport et il y a pas une explication ça peut-être OK. Admettons que yo pas été manipulé de manière erronée taux de change là. Expliquez-nous qui gens on est fait demander et 100 millions de gouttes pour le caposon acte. 100 millions de gouttes là c'est autour de 1.10 million dollars américains, 1.10 million dollars américains quelque chose comme ça. Et puis, l'idakol, il prend plutôt 60 000 dollars. C'est-à-dire, si on dit 3 nègres à 20 000 dollars, donc 60 000 dollars, au lieu de prendre 1 million pour 1000 dollars que l'on exige, il paraît incohérent et il n'a pas fait sens.
Et nous t'attendons que... Monsieur Libérus. Est-ce que oui? Oui. Alors, selon... Je me demande si c'est moi-même. Alors, tendez-nous dans le téléphone, là, de préférence. Oui, alors, selon rapport, là... Oui, selon rapport, là, monsieur Libérus, c'est plus que 4 de crédit, hein, oui, que yo t'a offri. Par exemple, yo ba on ligne de crédit et yo ba autour de biens que BNC. Alors, de propositions que yo fait yo, qui sont son package que lié, c'est pas seulement 4 là, non? C'est que rapport a expliqué que président conseil administration BNC a peut-être pas ka bay comme là. Et puis gon ensemble de l'autre privilégié avantage et carte de crédit avec et crédit maximal de 20 000 $, y compris et la donne. Oui, mais yo pas montré nos pièces côté, yo te dit que soit yo bail ou bien y a bail l'autre avantage et que monsieur de l'accepter. Yo dit que président BNC a dit mais qui ça rien lui-même. Mais il n'y a pas dit non, mais côté, il y a dit qu'il a accepté ça en échange, etc., de quelque chose. Deuxièmement, en cas de crédit, ils sont pas liés. C'est-à-dire que c'est une dette à solder. Donc, ou pas qu'à confondre en cas de crédit avec un pot de vin pour une raison simple, c'est que si il a pas payé carte de crédit, il a dit mes crédits dans le système bancaire-là. Donc, il y a un problème pour la même prêter l'argent à la banque. C'est-à-dire que on croit pour son cadre de crédit, son cadre obligé de rembourser de toute façon. Donc, on pas qu'à considérer ça comme un pot de vin. Donc, enquêteur ILCCO dit nous qu'un pot de vin avec un cadre de crédit, c'est la même chose. Ce n'est pas sérieux. Moi, bravo pour le rapport. Chargé enquêteur très professionnel. Ça veut dire qui ça? Comme l'ILCC, c'est son institution, nos besoins. Faut nous former enquêteurs ILCCO pour nos méthodologie Renal pour nous paraître plus sérieux pour nous capables de pas faire ça. Renal Libérus, parler avec Renald Libérus dans nom RED qui lui-même c'est une structure qui proposait conseiller Smith Augustin dans conseil présidentiel transition. Si là, Renald Libérus ou là? Oui, là, merci. Guérie. Oui. Merci pour on continue oui. Rapidement. Hein. Oui, donc devant incapacité ULCC pour prouver Haïti, si oui ou non, monsieur a demandé 100 millions de gouttes, comme il n'y a pas aucun indice que parole et Raoul Pierre-Louis, il dit que Balanquier était plutôt sous et carte de crédit. Et puis, il tire conclusion, deux conclusions qui sont fatales. Première conclusion, on dit nos carte de crédit à son pot de vin. Erreur, messieurs, dames. Et puis, deuxième conclusion, il s'est transformé tête-lui en juridiction de jugement. Il tout dit, monsieur, il est coupable de. Or, la loi, pas il s'est pouvoir ça. Il s'est un pouvoir d'enquête administrative et c'est seule la justice qui a dit si on est coupable ou non. Donc, ce sont des erreurs inacceptables dans un pays côté n'a pas essayé de construire un état de droit. Donc, notamment des ULCC ressaisir et en s'en pis l'avenir et pas faire payer à ça, pas faire tête comme ça. Parfois, les jeunes ou non opposition, ou jeunes en pile pression. Et ça m'a dit là, il va là pour toutes les jeunes garçons qui occupent en position côté quelqu'un pouvoir de décision. Leur jeune pression, ça ne sont pas capable de résister. Démissionner. Pas quitter pression, faire nous faire ça, ne pas la supposer faire, parce que nous perdons crédibilité, nous, bagages, ça va suivre, nous, à tout jamais. Même les gens qui font faire ça, demain matin, pas pour nous sérieux, parce que la personne, c'est que lui-même, il est influencé sur son bagage, donc sauf font l'autre bagage qui compte, il a estimé que son l'autre monde est influencé. Renald Libérus. Je suis à ça, pas fait ça. Renald Libérus, il y a un monde qui t'a dit là, Renald Libérus a craché sur. Travail enquêteur ULCCO qui ou même a cherché garder qui s'est passé effectivement. Est-ce que tu as gagné demande 100 millions de gourdes qui t'est faite, chercher information et li voyer dossier à côté pour le voyer qui se baille parquet pour être capable d'approfondir. C'est vrai, ou même, ou capable toujours relever des failles dans le dossier. Mais qu'on y a, est-ce que nous ne pouvons pas quitter à la justice lui-même pour faire travailler et pourquoi pas dire à Nation que
conseiller Noir, il est disponible pour répondre aux questions la justice pour lumière capable faite sous dossier. Et n'a pas rappelé tout gagnant de entité, pas connait si Red de fait partie de yo, qui au même te dit y a ton rapport ULCC, hein? OK, pour capable décider sur avenir représentant dans conseil. Et m'envimando nan niveau Red, est-ce que façon parler là ou voulez dire que conseil Holland Smith Augustin pas faire on pas quitta on panago en attendant que la justice tranche? Oui, merci Gary pour question. Premier ça nous veut dire nous pas pressé sur rapport ULCC, nous dit rapport à pas bon et que monsieur Damien fait société à honte par rapport avec espoir attendre nous te gagner de travail ça. Et moi comme pense que ULCC sont institution qui est important pour pays à pour nous pas faire ça. Moi suggérer conseiller monsieur ULCC pas faire ça. Pas refaire ça encore. Deuxièmement, on se traite bien rapport directement avec Red, positionnement Red. Red est assez expérimenté et pour ne pas dire que la première position en fonction de sa enquête administrative va dire parce que nous connaissons que son possibilité que pour enquête a fait depuis bon monde qui passe des LC officiels, il dit fait ça, mais il dit que non, c'est bien. C'est ça que nous toujours disons, on a une décision de justice côté que. Il nous dit non, oui ou non, est-ce que Smith est coupable de Omagaye. Maintenant, nous ne pouvons jamais nos situations pour nous dire que le conseil Noir est au-dessus de la loi. Au contraire, c'est pour nous encourager et la justice faire lumière d'ailleurs, où elle est même à l'ULCC, ça ne va pas être obligé de faire. Maintenant, nous avons un cadre de coalition qui a 3 entités là-dedans. Donc, nous avons concerté pour nous connaître qui meilleure réponse pour nous bailler par rapport à la situation. Ça. Mais une chose est sûre, c'est que Smith Augustin a toujours été à la disposition de la justice et sera toujours à la disposition de la justice. Donc, qui s'est privé 7 octobre, puisque Smith Augustin a dû remplacer Edgar Leblanc fils dans le cadre roulement qui gagnait en tête présidence conseil là. Et 7 octobre, c'est la loi qui détermine les. Et puisque c'est un décret ensemble avec une résolution qui dit, mais qui j'en sais, suppose le fait 7 octobre. C'est une décision contraire ça, pour qui pour prendre, mais qui j'en apprends. Et le conseil présidentiel là, a réuni à la majorité de 5 sur 7, c'est OK décider ça. Et puis, il y a décidé en magaille, et puis il y a un conseil des ministres pour être capable changer. Si ça n'a pas fait, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'a pas changé pour 7 octobre. 7 octobre, la loi n'a pas appliqué correctement. Nous pas qu'à appliquer la loi à géométrie variable, s'il range, nous, s'il va ranger, non. C'est la loi pas appliquée avec rapport ça qui mettait de yo, qui épinglé et conseiller et Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et puis Louis Gérald Gilles. Et vous pensez que vous avez fait fil de rapport ça, Renal Luberis, et puis vous mettez Smith Augustin et remplacé Edgar Leblanc fils? Rapport ça, son machination politique, c'est ce qu'on a expliqué le matin. Pas pour qu'un citoyen qui a perdu le droit civil, la politique, lui, sous base en machination politique, si on a fait ça, c'est gros mal dans ce pays. Maintenant, et si le conseil a réuni pour leur décision, et puis au conseil des ministres qui prend leur décision, bon, et à ce moment-là, tant mieux. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas basé sous base un rapport et à manifestement et commandé de toutes pièces et puis pour nous dire que ça a influencé ça la loi prévoit. Exprimer là, Renal Liberis. Pardon? En position intéressée que vous avez exprimé là ou bien parce que toutes les positions sont intéressées et c'est ça qui fait nous confronter Caraïbes, confronter différentes positions yo, pour capable de trouver un équilibre. Donc ça. Et Johnny, mais pour y avoir ces rapports même, parce que loi applicable pour ça manifestement il est pas neutre. Alors, oui non. Alors Ronald Mando, pour qui ça rapport pas neutre selon vous même? Pour toute raison, nous sommes dit là, yo, pour même rapport à son rapport qui a charge, et côté que, au lieu que M. Rivet dit non, est-ce que oui ou non, il y a une demande de 100 millions de gouttes qui était formulée, il n'a pas fait ça, il a fait l'autre bagaille.
ça vous fait à pas camper sous en qu'un an et tout, parce que vous avez un cadre de crédit sur un pot de vin, un cadre de crédit pas un pot de vin, un cadre de crédit sur une dette liée que vous avez remboursé. Rapport à contrôle du propre technique, vous avez dit que monsieur a commencé à rembourser. Donc, un pot de vin, généralement, ça n'a pas remboursé. Et puis, le LCC s'est transformé tête liée en juridiction de jugement, il dit monsieur est coupable. On a supposé chercher des indices pour voyer par paquet ou paquet lui-même et fait travail li, ou bien soit vous voyez li et par un cabinet d'instruction ou bien et à paquet approfondi enquête là. Oh, il a c'est tout décidé lui-même, les juger, les condamner. C'est pas sérieux. Parce que nous avons répété ça plusieurs fois. Vous dites rapport à quelqu'un qui manage. Qui est-ce qui campe des rapports qui manage li dans ce sens-là? C'est là où même. Et il y a une équipe qui besoin craser le conseil présidentiel. Là. Soit pour capable monter un pouvoir et dans style Ariel Henry, soit pour capable satisfaire l'autre ambition et politique. Il y a un conseil là tout, et dans le conseil président, qui pas nécessairement brillé par capacité pour analyser, anticiper événements politiques. Il pense que si on retire trois personnes, dans le conseil là que vous-même y a venu prendre la présidence tournante, donc vous-même y a pris le contrôle. Vous seulement oublié que toute décision pour le conseil là prend, il faut prendre la majorité de 5, le retirer 3 mounes, il y aurait été 4 de conseil là dysfonctionnel. À ce moment-là, le conseil des ministres là obligé de constater que la présidence là dysfonctionnel et que vous supposez assurer la continuité de l'État. Donc, on travaille dans le cadre du conseil des ministres avec le premier ministre, comme c'était le cas avec Ariel Henry. Le conseiller là, qui fait une grosse carrière politique, un paquet de diplômes, qui parle ça, M'Djoula là, non? Vous pensez que vous prenez des décisions à 4, sachant que la loi dit c'est à 5 qui vous prenez des décisions. Donc, dès que vous retirez toi, Nexa, le conseil là caduque et ça fait affaire, on va faire compte. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à tous mes amis proches pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!